Bonjour les enfants. Bonjour les copains. Alors, le bonjour du jour. Je vous présente Madame Turquie. Turquie ? La Turquie est un pays. On regardera tout à l'heure sur la carte. Vous avez le drapeau ici, un drapeau rouge avec... Que voit-on sur ce drapeau ? Une lune avec une étoile. Exactement. Alors, il est un peu compliqué le bonjour du jour, n'est-ce pas ? Donc, on va parler en turc. On va dire bonjour dans la langue turque. Merhaba Günaydın. Merhaba Günaydın. Merhaba Günaydın. À vous. Merhaba Günaydın. Très bien. On va voir si perroquet y arrive aussi. Merhaba Günaydın. Loup et perroquet. Bravo perroquet, c'est trop fort. Voilà, on laisse Madame Turquie tranquille et on va faire les rituels du matin, la darasse. Le compte des jours, où il va y avoir plein de choses à faire, et la tirelire aussi. Alors, la dernière fois qu'on était à l'école, c'était jeudi 25 juin. Quel jour vient après jeudi 25 juin, Mélina ? Vendredi 26. Est-ce qu'on est à l'école ? Oui. Oui, c'est le dernier jour d'école de la semaine, puisqu'après c'est le week-end. C'est le week-end. Donc je fais un point vert sur la bande et sur le calendrier. Et je change la date du jour. Alors, vendredi qui commence par quelle lettre ? Dites-moi. Je ne vous vois pas. Sans lever le doigt, allez-y. Par quelle lettre ? Le V. Le V. Et 26 qui s'écrit comment ? 26. Donc c'est bien ça. Alors je change ici. Je tourne la roue. De jeudi à vendredi, et je peux lire la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 26 juin 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 26/06/2020. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Hier, nous étions jeudi. Et demain, nous serons samedi, premier jour du week-end. Voilà pour la date. Alors, le compte des jours. Hier, il y avait 129 jours. On rajoute une paille. Et 129 plus 1, ça fait combien ? 110. Ça fait 120. Ah non, ça se dit comment ? 100. Quel nombre vient après 29 ? 30. Alors, on va regarder ce qu'on a. On a un paquet de 100, toujours. On a toujours ces deux paquets de 10. Et le paquet de 100 est tombé, c'est pas grave. Et on va voir combien on a de pailles ici. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et un paquet de 10. Donc avec ces 10 pailles, on peut faire un paquet de 10 qu'on va mettre où du coup ? Dans la boîte des paquets de 10. Très bien. Voilà, je vais chercher le paquet de 100 qui s'est échappé. Ouais, je vais jamais faire le compte des jours, je vais m'échapper. Mais je peux faire peut-être, mais je ne vais plus revenir. Bon. Je le mets dans une boîte. Alors, nous avons un paquet de 100. Combien de paquets de 10 maintenant ? 3. Regardez, 3 paquets de 10. Et combien de pailles toutes seules ? 0. Donc, sur la fiche, il y a plein de choses à changer. Alors, déjà, il n'y a plus 2 paquets de 10, il y en a 3. Il n'y a plus 9 unités. Si on regarde, il y en a 0. Donc 3 paquets de 10, c'est
30. Donc on enlève 20 et on met 30. Ici, j'enlève le 9 et je mets le 0. Et ici, je dois écrire 130, donc je vais enlever 29 et je vais mettre le mot 30, un seul mot. Voilà. Il me reste à effacer le nombre et changer. Effacer pour écrire. Donc, 130. Alors, chaque jour compte. Je vois une centaine. 3 dizaines, 0 unité, 100 plus 30 plus 0 est égal à 130. C'est notre 130e jour d'école. Donc pour la tirelire, nous avions 129 euros. On rajoute une pièce de 1 euro. Ça va faire comme le compté des jours 130, mais je pense qu'on va pouvoir faire des échanges. Alors je vois un billet de 100, un billet de 20, un billet de 5, deux pièces de 2, une pièce de 1. Alors, si on regarde ces pièces-là, on a une pièce de 2, une autre pièce de 2 et une pièce de 5. Ça fait combien d'euros, ça? Une pièce de 1, oui. Personne n'a relevé, j'ai dit une pièce de 2, une autre pièce de 2 et une pièce de 5. Non, une pièce de 1. Donc, 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. 3. 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. Ça fait 5. Donc, je peux remplacer ces trois pièces qui font 5 euros par le billet de 5 euros que j'ai là. Alors, on va échanger. À la place de ces pièces, on met le billet de 5. Que voit-on maintenant? Que des billets. On est très riches. Un billet de 100, un billet de 20 et deux billets de 5. Deux billets de 5. Je peux les... Tu peux les remplacer par un billet de 10. Oh, tu t'appelles Louisa. Un billet de 10. On peut remplacer les deux billets de 5 par un billet de 10. Parce que 5 plus 5 est égal à 10. Donc, ça et ça, c'est la même chose. Donc, on échange. Et donc là, que voit-on? Un billet de 100, un billet de 20, un billet de 10. 20 plus 10, ça fait 30. Et 100 plus 30, ça fait... C'est ce qu'on entend. 100 plus 30, ça fait... 120-30. C'est ça, Tylan? Non. 100 plus 30, c'est ce qu'on entend, ça fait... 130. 130. Mais je change. Tu voulais dire quoi, Hugo? Aussi, articule bien qu'on comprenne. Aussi, à la place du billet de 10... On pourrait passer par les deux pièces de 2 et une pièce de 1. À la place du billet de 10, on met deux pièces de 2 et une pièce de 1. Deux pièces de 2, 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. C'est pas possible. Non, c'est comme 5 pièces de 2, oui. Mais c'est un peu compliqué. Ouais, tu reverras ça l'année prochaine. Hein. Donc 130 euros dans notre tirelire. Parfait, on a tout fait. Eh bien, sur ce, qu'est-ce qu'on dit? Après avoir dit bonjour, on dit au revoir à tout le monde. On souhaite une bonne journée, un bon week-end et peut-être à lundi. À lundi, bon week-end.